Les secrets de fabrication du gâteau à la broche. Donc, tout en visionnant cette vidéo, nous allons vous parler de diverses pâtisseries que vous pouvez rencontrer dans notre belle région du Rouergue. Voilà, donc les explications sur la recette écrite et un texte et une musique d'accompagnement. L'édition pâtissière vous présente les vidéos de notre gamme. C'est le fruit du savoir-faire de 5 générations de boulangers pâtissiers. Nous vous faisons découvrir des pâtisseries traditionnelles aveyronnaises, spécialité du terroir du Rouergue. La foisse aveyronnaise, de tradition nature, mais nous avons marié à cette foisse le pruneau, la myrtille, la crème d'amande ou le citron, et nous l'avons appelée la coquette aveyronnaise. Une autre variante de foisse, c'est le soleil du vallon de Marcillac, un croquant aux amandes parfumé à la fleur d'oranger. Et bien sûr, il se déguste avec un petit verre de vin AOC de Marcillac, le fleuron de la gastronomie aveyronnaise. Notre produit le plus vendu est le gâteau cuit à la broche. C'est une spécialité aveyronnaise que l'on trouve aussi dans les Pyrénées. Une pâte onctueuse, riche en beurre, que nous cuisons au tour de broche. Donc nous obtenons des cônes, plusieurs tailles pour découvrir ce produit. Le plus petit fait aux alentours de 300 grammes. Après, nous avons des cônes de 600 grammes, ce qui vous permettra de le déguster entre amis. Et si vous avez une grande occasion, le gâteau de 900 grammes est là pour le plaisir des yeux et le plaisir des palais. Mais nous ne sommes pas arrêtés là, car la tradition pâtissière a mis au point une variante de ce gâteau à la broche, c'est le bâton du pèlerin. Toujours une pâte onctueuse qui est cuite sur un moule rectiligne qui peut mesurer plus d'un mètre. Nous le commercialisons coupé et garni de truffes ratafia. Donc vraiment là c'est le paquet complet des saveurs de l'Aveyron. Nous le commercialisons aussi nature, car si vous avez des talents de cuisinier ou de cuisinière, il vous permettra de réaliser des desserts simples et dignes d'un grand chef étoilé. Consultez le module sur notre site qui vous donne des idées de desserts à base de ce bâton du pèlerin. Un gâteau qui est plus rustique, c'est les croquants du Rouergue, donc le célèbre échaudé à l'anis. Et la tradition pâtissière a mis au point un échaudé aux noix, car certaines personnes n'aiment pas l'anis, et donc ne sont plus privées de goûter ce célèbre échaudé que les pèlerins du chemin de Saint-Jacques dégustaient sur les routes du Rouergue. Notre plus grosse vente, c'est la rissole au pruneau. Un petit gâteau fait avec une pâte riche en beurre, et des pruneaux que nous achetons à un producteur du Lot. Ils sont gorgés de soleil. Donc cette rissole, nous la faisons aussi sous une forme géante ou sous une forme plus classique qui est la tarte aux pruneaux. Retrouvez tous ces produits sur notre boutique en ligne. Toutes les explications vous seront fournies. Profitez de notre position de direct producteur, vous aurez des produits fabriqués le jour de l'expédition, et si vous passez des commandes un peu plus importantes, vous aurez bien sûr le franco de pot. N'hésitez pas à consulter notre site. Qualité fraîcheur au meilleur prix chez vous grâce à la tradition pâtissière.